Et pour finir, à Grégeux, dans la région du Haut-Sassandra, les femmes vont sur les sites clandestins d'exploitation d'or, ce qui les expose sur tous les plans. Pour faire face à cette situation, l'ONG Vie Sacrée, avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis, a initié le projet dénommé Renforcement socio-économique des femmes artisanes minières de Grégeux. Objectif, occuper sainement les femmes à travers la création d'une coopérative. Ce projet, la cible principale, est les femmes qui travaillent sur les sites de manière clandestine de la mine. C'est ça notre cible. Et en second cible, ce sont toutes ces femmes-là qui sont en association au niveau de Grégeux pour pouvoir diversifier les cultures au niveau de la coopérative que nous allons créer. Les femmes de Grégeux qui saluent l'action de l'ONG Vie Sacrée souhaitent que le projet prenne en compte la vente de la production. Chaque année, là, on nous dit qu'on n'a qu'à faire coopérative. Les coopératives, on fait. Premièrement, là, on dit qu'on n'a qu'à faire riz. On a fait riz, là. On a fait riz, là. Riz, on a coopéré pour envoyer. Il n'y a pas quelqu'un pour payer. Deuxièmement, on dit qu'on n'a qu'à faire piment. On a fait piment aussi, là. Ils ont envoyé grain de piment, là, mais il n'y a pas quelqu'un aussi pour payer. Troisième, on a fait manioc. Manioc aussi est resté en plus. Bon, aujourd'hui, eux sont venus maintenant. On a travaillé, ils n'ont pas venu payer. S'ils ont payé, produit là bien là. Il n'y a pas de problème. Pour travailler, ce n'est pas dur. Mais pour payer là, c'est ça nous on veut. Payer ça bien, puis nous on est content. Parce que c'est là ça. Maintenant, là, nous on n'a pas cacao. Le champ de cacao est mort. On n'a rien. La terre là, on fait manioc, on fait un peu de trucs. Nous, nos enfants sont à l'école. On est là, on complète nos maris et puis. Ça avance un peu, un peu. Ce projet, qui s'étend sur un an, permettra d'éviter les risques auxquels s'exposent les femmes de Grégeux en allant sur les sites d'exploitation d'or, mais surtout de garantir leur autonomisation financière.